bien sucré. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis la Seigneur de tout le pleu. Bienvenue à l'émission Gourmet Sucré. C'est une émission aujourd'hui qui fait quand même parler le cœur de certaines personnes. Mais vous, je n'ai pas n'importe quel homme, on peut vous recevoir à Ivoire TV avec le gourmet, parce que je vois que le gourmet a pris même le monde entier. Il n'y a pas quelqu'un, bien quelqu'un sur la terre qui va dire que lui n'a jamais eu le gourmet. Même si tu es en haut en bas, tout le monde a le gourmet. C'est parce qu'il y a des gens qui ne vont pas en parler. Mais voilà, quand tu es fan d'une personne, tu es obligé d'avoir le gourmet. Quand on n'est pas fan, on s'en fout. Mais quand tu aimes une personne, parce que toutes les femmes, on est tous femmes. Mais chacun de nous a aussi les mangements qui sont bien dans le slip. Quand elle t'attaque comme ça, toi-même, tu te retrouves. Il y en a qui se disent, non, moi, je ne peux jamais avoir le gourmet. Avec le gourmet, ça existe, mes enfants. Croyons en ça. Moi-même, la seule, moi, je viens au gourmet. Je pensais que ça n'existait pas. Parce que quand tu tombes sur quelqu'un même qui sait vraiment te cirer les fesses, là, tu ne vas jamais l'oublier. Tu vas voir souvent des gens qui meurent, on va les funérailles. On dit, ah, il y a eu des femmes dans la pièce. Et le monsieur est trop gentil. Gentil, trop, trop. Tu comprends, depuis 6 ans, il est là, gentil, gentil. C'est qu'il a mal cuit avant de partir. Mais quand on cuit quelqu'un, on ne va pas être la clé de son cuit. Ah non, si souvent, ils sont là, ah, mon gars, là, vraiment, il était trop gentil avec moi. Gentil comment? Il te payait quoi? Il va te donner des milliards, mais c'est le bas là qui importe. Mais si son dossier est bien propre là, il n'y a rien de tel. Donc, bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, je reçois un jeune artiste. Un artiste vraiment qui n'est pas comme les autres. Un artiste qui est propre. Un artiste même qui donne envie de l'inviter sur mon antenne. Alors, monsieur Momo, vraiment, sois le bienvenu. Merci, la j'espère que tu vas à très jeune comme ça, déjà, tu as gourmet. Non, quand tu vas avoir 50 ans, alors. Il y a des mougouchons qui vous réveillent. Hein. Je t'écoute. Bon, en fait, moi, je suis acteur et influenceur à la base. Voilà, maintenant, moi et une organisation, nous avons organisé un événement. Donc, le jour de l'événement, j'ai croisé une go, une meuf claire. En tout cas, c'était mon jeune, en forme, bien, avec tout. Donc, j'ai approché la go, j'ai pris son numéro. Mais c'était vrai, fesse. Parce qu'il y a eu mon couteau, il y a des fesses chiffon. Non, l'événement, c'était même pas tout le monde a fait. C'était à Hongrie. Il y a ce caleçon. Tu portes ton terrier derrière, mais avant de te déshabiller, demain, c'était des vraies fesses. Et puis, on s'est rencontrés à Hongrie. Mais comment tu peux savoir que c'était vraies fesses? Il avait des habits. Comment il y a vu le mouvement, il était gavé. Parce que c'est bien, tu vois. Donc, il était vraiment branché, c'était mon genre. Il a pris son numéro, on a commencé à causer, on a commencé à se voir. Voilà, on a commencé à parler, tout, faire les trucs ensemble. Coucher ensemble, les trucs. Vous avez fait combien de temps? Tu n'as pas trouvé quelqu'un qui a gros dedans? Il faut bien commencer. Ceux qui ont Non, écoute-moi, ici, là, on ne discute pas. Mm-hmm. Tu parles, tu me laisses parler pour que les gens puissent nous comprendre. Oui. Mais si nous deux, on parle, qui va comprendre son âme? Bah, tu es en train de venir dire à tes amis prochainement de faire comme ça. Il a dit, tout ce que tu vas voir, ils pourront dans le monde entier. Mm-hmm. Il suffit que j'ai un gros derrière, toi, tu t'en ailles en même temps. Non, ce n'est pas tout le monde. Non, d'accord. Il y a des gens. Et il y a un type de gros derrière que j'aime et j'apprécie beaucoup. Mm-hmm. Voilà, c'est ce qu'avait la meuf. Et ça, tu avais combien de jours avec elle pour aller avec elle? Elle n'a pas duré. Moi, je ne dis pas, elle est tout comme ça, c'est rapidement. Une sortie, deux sorties, troisième sortie, elle est passée à l'acte, elle couche à elle. Mm-hmm. En tout cas, moi, j'aime. Il faut que tu me suces bien sur moi. Moi, ça fait mon affaire. Pourquoi c'est bon, pète ou bien bon, tu suces comment? Non, des bobons, rio, pop, les bobons, rouges, c'est bon, je suis faible là. Quoi? Bon, je suis faible là. Il faut laisser affaire de ça, tu n'es pas galant, on n'est pas venu dans la boutique. En tout cas, la go me prenait bien. On passait beaucoup de temps ensemble, on tournait. Ouais, elle m'a bien pris au lit. Donc après, j'ai vu les messages sur son téléphone, la go était une prostituée, si je peux le dire. En tout cas, elle tournait busy, elle était prostituée, elle couchait avec beaucoup de personnes. Moi, je l'aime. Donc je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, ah, je t'aime. Tu fais beaucoup de choses qui me plaisent. Toi et puis moi. C'est vrai, en accouchant ça, tu me fixes bien. Mais ce que je me fais, je veux pas que tu fasses ça avec d'autres personnes. Parce que ça me fait vraiment mal. Est-ce que tu peux arrêter? Elle m'a dit ok, mais après, j'ai vu qu'elle continuait. Donc, ma raison. Mais est-ce que tu l'as déjà supplié avec quelqu'un? Je n'ai pas encore supplié avec quelqu'un, mais j'ai déjà. Tu sais que... Non, excuse-moi. Mm-hmm. Comment tu sais qu'elle couchait avec plein de personnes? Tu l'as jamais supplié? J'ai vu des messages sur ton téléphone. Oui, les gens, c'est ça, des messages. Elle a jamais été connue. Ouais, c'est sur toi? Un jour, on causait. Depuis que j'envoie les iPhones, les portables, les gens, ils ont écrit comme ça. Il y a des gens, mais ils ne te connaissent pas, ils ne t'ont jamais vu. Même moi, mais la seule, il y en a souvent, ils mettent sur les antennes. Ouais, je t'ai fait 5 couillères, ça te plaît. Je les connais où? Mais moi, je dis, quand quelqu'un parle de moi, qu'on a su les mecs, ça me fait plaisir. Parce que tu fais encore ma publicité. Parce que moi, mon âge, je ne me permets plus d'aller avec quelqu'un. Donc, si tu m'as dit, tu m'as fait 5 couillères, ça m'arrange. Tu me rappelles mon ancien temps, c'est tout. La seule, l'autre, je vais te dire un truc. La goût et puis moi, un jour, on causait. Parfaitement, il était environ de 23h, partout dans minuit. Elle m'a dit que demain elle va faire quelque chose. Donc elle va se coucher. Je lui ai dit ok, pas de soucis, ça marche. Donc il y a un de mes gars qui m'a appelé. On dirait qu'il faut se croiser quelque part pour prendre un pot. La go est partie se coucher, moi il n'y a personne avec qui parler. Donc il sort avec mon pote.
On arrive vers le coin, je trouve la go là-bas avec un monsieur, un papa même. Donc moi, devant ma go, elle me dit qu'elle veut coucher. Donc il prend sa photo de mon téléphone, il regarde. Pour voir si c'est vraiment elle. Il voit à elle avant avec un papa. Tu le lis. Mais dans le portail ou bien en direct? En direct, dans un coin d'un maquis, pourtant ma dit elle va se coucher. Il était aux environs minuit. Donc c'est vraiment, ils vont passer la soirée ensemble, ils vont dormir ensemble. Donc là, moi, j'ai mon pote bougeant. Elle a bougé, elle ne s'est pas connectée aussi pour m'envoyer un message. Elle m'a rien envoyé comme message. C'est le lendemain. Elle m'a écrit là comme ça, elle m'a dit qu'elle est désolée. Donc quand j'ai vu le message, j'avais déjà tout compris. Voilà, il a tout compris. Donc il a posé des questions. Celle-là va me dire qu'elle est LGBT, elle est prostituée, elle couche avec les hommes mariés. Elle t'a dit ça en direct. Elle-même a dit ça. Ouais. Elle-même a dit ça. Voilà, peut-être que c'est parce qu'elle-même aussi, elle ne veut pas me perdre qu'elle m'a dit ça. Mais moi aussi, ça m'a fait vraiment mal. Je l'aime. Elle me prend bien. Tout ce que j'aime, elle le fait. Les fantasmes que je veux réaliser avec elle, elle le fait aussi. Tu vois un peu. Donc, je lui ai dit d'arrêter. On va continuer notre relation, nous deux. Mais je vois qu'elle n'a pas vraiment la tête à se stabiliser. Elle veut continuer ce qu'elle fait et tout. Donc, il ne sait pas, il y a l'embarras du choix. Je veux lui dire m'aide. Mais aussi, de l'autre côté, je suis attaché par du côté où elle me fait l'amour bien, elle me suit bien, les trucs que j'aime. Et aussi, on a vraiment partagé beaucoup de moments ensemble. Donc, c'est ce qui me fait un peu de la peine. C'est pour ça que je suis venu te voir. La seule autre pour que tu me conseilles un peu sur ce truc. Bravo, merci beaucoup. J'espère que tu as tapé la bonne porte. Avec la seule, l'émission qu'on appelle le Gourmet Sucré, c'est une émission aujourd'hui. Moi, je suis très contente et c'est ce que j'ai demandé à ma vie. Avant de quitter le monde, il faut qu'on me dise « Et c'est elle, et c'est elle ». Et c'est comme ça, je dis merci aussi à tous mes fans qui me croisent, mes fans qui me croisent dans la rue, qui disent « Voici la seule ». Je remercie aussi la télévision Ivoire TV Musique. Je dis beaucoup merci à M. Zoumana, qui est le DG de la télévision. Sans oublier sa femme Mouna, il a dit beaucoup merci. Pour mon âge aujourd'hui, je parle encore à la télé. J'ai dit merci encore, un grand merci à monsieur, un grand merci à Ivoire TV, à tous les travailleurs d'Ivoire TV, que le sous-directeur, même le blanc, tous ceux qui gèrent l'émission, mes enfants de la boîte, il a dit beaucoup merci. Parce que à certaines femmes qui se disent, comme je suis âgée, moi je suis âgée, je ne peux plus faire tout ça là. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme sur la terre. Quand Dieu a déjà programmé que toi, tu dois être comme ça aujourd'hui, tu seras comme ça. Donc il faut te dire, tranquille, sois, il n'y a pas de femme parfaite sur la terre. Il n'y a pas de femme qui va te dire, moi, mon gars qui m'a dévié, je suis un riche. Et puis, remarquez, hein, les femmes qui sont prostituées, hein, c'est les meilleurs mougousins ici. C'est les femmes qui mougousent bien même plus que celles qui ne sont pas. Parce que c'est un commerce. Elles sont habitées. Il faut être fort pour avoir plein de clients. Donc, si toi, au moins, Dieu t'a envoyé une prostituée, il faut te dire, tu es béni. C'est-à-dire que les phases que tu n'as jamais connues, elle va t'envoyer toutes ces phases-là. Au lieu de la laisser, c'est à toi de voir le jeu. Parce que déjà, toi, tu as une idée à ta... Tu as une idée déjà gardien en disant que tu allais l'épouser. Il n'y a pas de femme sur la terre ici qui va dire, moi, depuis on m'a mis au monde là. C'est... Non! Nous tous, on est passés par les mougoupans pour tomber sur un homme aujourd'hui. Il n'y a pas de confrères. Il y a des confirmés, mais c'est l'entretien qui fait que ça devient frère. Donc, les confirmés, il y en a plein. Donc, quand toi, à ton âge jeune déjà, tu tombes sur une personne, une femme que tu as aimée, une jeune fille comme toi, tu l'as aimée, moi, je pense qu'il faut encore réfléchir. C'est à toi. Ne laisse pas le diable prendre ta chose. Ne laisse pas le diable partir avec ta chose. Parce que le diable est toujours là pour se moquer. Alors que tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Jésus. Tu es le créateur de et sa maman. Maman Marie et Jésus, on nous a mis sur la terre. Il a dit, je ne pourrai jamais descendre. Mais par un homme, par une femme, vous allez vous multiplier sur la terre. Donc, où tu es là aujourd'hui, tu as encore le mouvement. Tu vas voir. Qu'elle va voir que tu vas même pas t'occuper de ses affaires. Elle va se ranger toi-même. C'est comme quelqu'un qui est volé. Tu lui dis, toi, tu voles toujours. Il ne va jamais parler. Tu le honnis toujours. Il ne va pas arrêter. Mais quand tu vas lui dire, ce que tu entends de faire là, il faut quitter dedans. Lui-même, il va comprendre. Est-ce que tu as vu? Donc, où tu es là, moi, tout ce que je peux te dire, la seule heure de tout le pleu, reprends. Il ne faut même pas l'abandonner comme ça. Tu vas l'abandonner. Non. Si toi, maintenant, tu vas vers elle, même si elle soit des vieux, elle soit des jeunes, l'essentiel, c'est que toi, tu demandes au lien en cas de faire, non? Tranquille. C'est ça. Mais tu vas tomber sur une personne. Et toi, tu mets sur une femme qui est là, tu dis, bon, comme c'est le même derrière, les phases là, les meilleures couilleuses, c'est les prostituées. Et puis quand tu vois un homme, quand tu vois un homme sur la terre qui baisse beaucoup, c'est que c'est un vagabond. Parce que ceux qui n'ont pas travaillé, eux, les travaillent aussi, c'est couillement. Parce qu'ils te suivent bien, qu'ils travaillent ou ne travaillent pas, tu vas le suivre. Femme, suis un homme parce que tu couilles bien. Il y a des funérailles qui se passent à bien ici. Tu vas au funérailles, tu vois qu'on dit, c'est un homme qui est mort. Puis il y a des femmes qui disent, hé Dieu, le gars là, il est trop gentil, des noms, c'est qu'il.
gentil, ça ne finit pas. Hein. Elle va te parler de 23h jusqu'à 6h du matin. Il est trop gentil. Ce monsieur a déjà, tous ceux qui l'ont, on les a couillés bien là. Ce monsieur a fini là, même qu'il y a plein de femmes, il y a plein de femmes que les hommes. Et ils sont là, c'est de lui sur comment on parle. Chacun a un diplôme sur la terre. Moi, c'est parce que j'ai dit que j'ai plus de l'âge. Et je respecte mes enfants. Ce n'est pas vous là qui est la solution. Aujourd'hui, mes enfants font des enfants. J'ai des petits-enfants. Je vais te mettre là encore. Puis, on te présente même le gars qui va venir vers toi. Lui aussi, il a sa famille. Il a ses enfants. On voit, voilà une caracasse qui vient à la maison. Notre papa dit que c'est la nouvelle femme. Moi, j'ai dépassé ça. Nyankou est parti là. Ce film, on n'a qu'à quitter. On va te présenter. Vous allez me demander, papa, c'est ta tante bien qui? Non, non, c'est votre nouvelle maman. Je ne suis pas dedans. Nouvelle maman, je ne vais jamais prendre de grossesse. Règle même, je ne passe plus. Où je vais, tu vas faire quoi avec moi? Pourquoi on se caresse? Il faut laisser ça. Je ne suis plus dans ça. Donc, où je te parle en tant que la seule lord de tout le plus là, reprends-la. Parce que ici, là, c'est Dieu qui a créé que moi je sois là. Tu la reprends, un jour tu vas t'asseoir. La seule lord, quand elle me donnait des conseils, je n'ai pas considéré. Allez là, c'est tes amis qui te fatiguent. Et vous aussi, quand il y a un petit secret comme ça, au lieu de garder à vous-même, à moi, mon gars, ma gueule, j'étais fan d'elle. Et voilà aujourd'hui, voilà comment elle fait. Il faut laisser tout ça. Récupère-la. Le diable n'a pas de pouvoir sur l'enfant de Dieu. Je te parle aujourd'hui en tant que la seule lord de tout le plus. Il ne faut pas moi se laisser aller. On ne peut pas insulter une femme pour te dire que tu es prostituée. La prostitution n'existe pas. Mais il y a des femmes qui sont là, qui veulent voir pourquoi l'autre auquel est comme ça. Peut-être toi, ta queue, elle, son sexe, ça va ensemble. Et elle, la manière, quand elle te pipe, tu oublies même que tes parents sont au village, ou bien tu oublies même que tu es parenté à quelqu'un. Est-ce que tu as vu? Donc, son couillement, là, comme ça t'intéresse, que tu dis que tu as fouillé partout, tu ne gagnes pas. C'est mieux de revenir avec elle. D'abord, ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble? Il n'est pas encore quitté. Genre, je ne la vois plus. Peut-être 2 semaines, 3 semaines, je ne la vois plus. Mais, c'est que tu l'as fait. Vous avez écrit sur votre portable. Tu as envoyé un message? Tu l'as envoyé un message? Pourquoi tu ne la vois pas? Attends, tu n'es pas au lit avec elle. C'est la seule qui te parle ici. Tu ne peux pas envoyer un message? C'est elle-même. Elle-même m'envoie un message. Alors, mais c'est si elle t'envoie un message, c'est qu'elle vient encore. C'est moi, en fait, je n'arrive pas à supporter ce qu'elle me fait. À partir d'aujourd'hui, tu es passé chez la seule. Il faut supporter ça. Il faut laisser. Dans ce monde-là, si Dieu a vraiment décidé que c'est à toi, c'est à toi, monsieur, comment on appelle ça? Mohamed. Monsieur Mohamed, c'est que c'est à toi. Est-ce que tu vois? Elle écrit. C'est pareil, le mousson des autres ne l'intéresse pas. Hein? Si elle commence à t'écrire, moi je suis sa mère, je vous demande pardon. Ce qui est passé, c'est le diable. N'écoute pas les gens. La manière dont vous avez commencé, terminez comme ça. Si Dieu a vraiment décidé que c'est pour toi, là, elle peut faire ses mougous, passer 100 mougous pas par jour. Mais il y a un seulement qui fait son affaire, et c'est toi, c'est ton genre. Peut-être les autres, mais si elle est vraiment prostituée d'après toi, mais que plus jamais que tu dis à une femme prostituée, parce que la femme est ta mère. La femme, c'est la maman qui t'a mis sur la terre. Mais quand tu la traites de prostituée, toutes les femmes, elles vont se fâcher avec toi. Je suis prostituée, puis tu sors avec moi. Il y a des femmes qui veulent savoir pourquoi l'homme, là, c'est comme ça. Pourquoi l'homme, là, c'est comme ça. Chaque personne, dans son caleçon, a sa queue. Hein. Il y a des queues qui sont courbées. Il y en a qui, quand tu les vois, on est pilon de foufou. Il y en a même quand tu les vois, on est plongeur. Il y en a même, ils n'en ont pas chaîne de caleçon. Lui, mais quand il ouvre caleçon, en même temps, il sort. Lui, on ne lui demande pas. C'est lui-même, il est déjà passé. Toute la journée, il est caché dedans. Donc, quand on fait semblant, mais on veut toucher à bouton, lui-même, il enlève chaîne là. Ça, c'est les pines, on appelle ça les règlements de compte. Parce que lui, qui a mangé ses 2 poulets, il va récupérer ça. Ça, c'est des pines comme ça. Donc, la fête arrive. Vous qui prenez les gens de gauche à droite, il y a pine qui est là. Hein. Il y en a même qui sont prêts pour dire, bon, vous allez faire ça. Mohamed, aujourd'hui, là, moi, je te parle en tant que la seule. Je dis, récupère-la. Toi, ta queue, c'est son genre. Elle pourrait même plus t'écrire parce que j'ai plein de garçons. Mais je ne crois pas. Parce qu'une femme qui a ce métier-là, elle n'a pas le droit de s'accrocher sur une seule personne. C'est à toi ce qui va la changer. Donc, M. Mohamed, enlève ça dans ton cœur. C'est mieux de partager. Laissez l'ancien passage sale-là. Il faut oublier ça. Reprends ça à zéro. Elle t'a déjà pardonné. Elle me met ce que, avec toi, tu ne fais rien. Ah, tu pleures. Hein? Mais d'accord, c'est qu'elle te cuillait fort. Hein? Ton cuillement, là, vraiment, elle me met ce que, aujourd'hui, c'est elle qui a déconné. Donc, il faut la pardonner. Elle ne va plus jamais faire ça. Plus jamais qu'elle va faire ça. Donc, moi, il faut te dire quelque chose que ce que la seule te donne comme conseil. Tu es encore très jeune. Tu as encore de l'avenir devant toi pour le cul d'une femme. Tu vas te rendre fou comme ça. Je sais qu'elle t'aime. Et toi aussi, tu l'aimes. Donc, moi, je ne suis pas là. Moi, mon émission, je ne suis pas là pour séparer quelqu'un pour dire, si elle fait ça, il faut la laisser. Je suis une mère. J'ai aussi des enfants comme vous. Pardonne-la. Il faut te dire, aujourd'hui, je t'ai parlé mercredi, là, à partir de 22h, quand la télévision sera là, elle, quand elle va te regarder, elle sait qu'on est en direct, elle va comprendre. Tu as compris? Ce n'est pas la peine de couler des larmes. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand la femme, quand vous êtes là souvent, il faut partir, je vais avoir l'autre go. Les couilles, là, ne sont pas la même chose. Hein?
Les couilles, là, c'est pas la même chose. C'est ça qu'elle t'a couillé tellement que... Juste quand même, tu parles des bonbons sur terre, comme si j'étais galo, je vendais les bonbons ici. Tellement qu'elle t'a couillé. D'accord? Allez-y, je vous... Vous allez donner vos derniers mots. Si c'est pour avoir haute gloire, c'est pas un problème. Mais la petite, là, il sait pas, hein. Non, il peut avoir Dieu comme elle. C'est elle le veut. Donc, c'est un con déjà, tu es habitué à ça. Ça, il n'y a pas de problème. Quand on est habitué, c'est comme quelqu'un qui rentre dans un restaurant. Par exemple, moi, j'ai un maquis qu'on appelle Prama par derrière. Les gens, ils viennent comme ça, ils pensent que comme on a parlé de Prama par derrière, c'est écrit partout. Quand on arrive, Prama par derrière, c'est dans mes mamites. Il faut la reprendre, c'est la seule loi de tout le pays. Après, on quel pays, il n'y a pas quelqu'un encore sur la terre. Il faut la reprendre. Moi, je dois vous parler en direct. Moi, mes trois enfants, ils disent ça, ils disent vous là. Vos histoires, vous avez les grosses pines dans vos caleçons là. Si les femmes n'avaient vous pipi pas. Ancien temps où on se lève les grosses cuisses, puis tu vois, les jeunes souvent, ils sont passés là. Ils ne sont pas malades. Tellement qu'ils ont mis tellement les cuisses ici là, ça fait que les nerfs sont descendus. Donc, c'est fini. J'espère que tu as compris un peu mes conseils. Et donc, vraiment, je suis très contente vraiment de te recevoir. À chaque fois, la porte est ouverte, vous pouvez passer là. Nous, on, tous les vendredis, 22h. Merci. Vraiment, merci, la fille Lord. Merci. Tes conseils aussi m'ont fait du bien. Merci vraiment. Je crois que je vais écouter ce que tu m'as dit. Je vais rester avec elle. Il faut rester avec elle, ne la laisse pas. Comme elle veut. Il faut la prendre. Elle a le temps un peu, elle pourra changer. Parce que déjà, elle était habituée à ça. Mais elle a vu, parmi les 1000 personnes, tu es toi seul aussi qui fais son affaire. Si aujourd'hui tu es venu à la télévision, quand tu coules des larmes, elle-même, quand elle va te regarder, elle va dire, mais tiens, je suis en train de me faire traîner par le diable. C'est le diable qui la fatigue. Sinon, une femme est née pour un seul homme. Une femme qui n'est pas née pour tomber avec tout le monde. Non. L'amour, c'est de l'art. C'est quelque chose qu'il faut souvent. Parce qu'il y a des hommes, même souvent, tu les vois, il a agi comme ça. Il est là, il vieillit tout seul. Il ne se retrouve pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que lui, il a fabriqué l'amour. Il n'y a personne sur la terre. C'est Dieu seul qui a mis dans ton corps. Le cœur qu'elle est là. Le cœur appartient à Dieu. Même les blancs, ils fabriquent les robots. Mais ils ne vont pas mettre la respiration et le temps. Tu sais à quelle heure tu es né, mais tu ne sais pas quand tu pars. Donc, moi, la seule heure de tout le pleu, je t'ai dit, récupère ta fille. On fait comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Bien vrai que nous sommes jeunes. C'est vrai, on a les meufs, on kiffe, on tout, mais essayez de ranger vos vies. Voilà, le sexe, l'argent, tout ça, c'est bien, c'est beau. Mais essayez de ranger une fille, une ta vie. Si tu as une meuf avec qui tu sais qu'elle va, elle est bien, elle te prend au sérieux, elle est intelligente, elle veut terminer sa vie avec toi. Tu restes fidèle à elle. Tu te concentres sur l'essentiel, le travail. Tu ne tournes pas de gauche à droite. Elle veut tout ça. Ça porte faire des mauvaises ondes. Vous voyez, ça peut te freiner. C'est pas bon. On est jeune, on est tous jeunes. Vous voyez un peu. Voilà, donc, c'est ce que je voulais vous dire un peu. Voilà, essayez de ranger vos vies. Une seule go, elle nous suffit pour aller jusqu'au mariage, pour réussir notre vie. Voilà. Nous sommes avant enfin. Nous devons vivre longtemps. C'est en se rangeant et marchant sur la ligne droite. Avec une seule personne. Dans la Bible, Dieu a dit l'homme quitte sa famille pour s'attacher à sa femme, n'a pas dit à ses copines ou bien à ses femmes. Et c'est que vous avez compris, kiffe ensemble là. Bon, la seule chose, c'est tout à l'heure, je voulais de finir avec moi-même. Donc, je dis merci beaucoup à tous ceux qui me suivent tous les vendredis soirs, à partir de 22h. Restez toujours à l'écoute tous les vendredis. On est toujours en direct. Donc, vraiment, je vous dis merci beaucoup. Continuez à m'aimer dehors, partout. Tous mes fans, je vous dis beaucoup merci. Et je profite aussi pour dire merci à M. Kouya. Merci beaucoup.